Bonsoir à tous les socios, ravi de vous retrouver, on est dans le club des 5, 598e numéro ce soir. On va tranquillement revenir, enfin démarrer notre deuxième semaine internationale avant le retour des clubs, ce sera vendredi. On a décidé de se concentrer ce soir et demain sur les éliminatoires pour la CAN 2021. On va revenir ce soir sur les champions d'Afrique, l'Algérie, qui sont imposés 1-0 au Botswana. On va parler de ces deux matchs qu'ils ont disputés durant cette trêve avec la Zambie, déjà pour commencer jeudi soir, et le festival en Algérie, et ce soir donc une victoire à l'extérieur qui leur permet d'être leader de leur groupe. On va revenir un petit peu sur cette rêve et également sur l'ensemble de l'année algérienne, parce que je sais que on va parler d'une des plus belles années, si ce n'est la plus belle, du foot algérien, et je sais que ça fait plaisir. Autour de la table avec moi ce soir justement, Bilal Achourtani. Salut Sam. Salut. Ça va Bilou? Ça va très bien. Pas habitué le lundi hein. C'est vrai, mais bon là j'étais en télétravail aujourd'hui, donc bon, ça va, plus de temps cool. Je pouvais caler avec le boulot, mais ouais, très content de vous retrouver les gars. Et puis comme tu le disais, une année qui finit bien pour l'équipe d'Algérie, donc il y aura des choses à dire. Tu avais commencé par une victoire contre la Tunisie, hein, si je dis pas. Ou non, c'était le Qatar le premier match, je crois, de l'Algérie. Qatar c'était en décembre. C'était bien la Tunisie. Là, ça avait commencé par une victoire dans un derby. C'est plutôt pas mal. Walid Acharchour avec nous. Bonsoir Sam, bonsoir à tous. Ça va Walid? Ça va super. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu l'armoire? Les chemises étaient à l'abri? Non, pour la petite histoire. Parce que, en fait, je sais que Belmadi nous regarde et Belmadi n'aime pas les consultants en costume. C'est vrai? J'ai mis un petit pull. Oui, tu te rappelles pas, il avait mis un petit tacle aux consultants ouais, en exactement. Costume. Ouais, il n'avait pas dit qu'il n'aimait pas les consultants en costume. Il disait les costumes de mariage. Voilà, donc c'est plus le mercredi qu'il nous regarde. Exactement, donc il nous visait directement en fait avec la Ligue des Champions. Donc en fait, je sais que voilà. J'ai Jamel, voilà, on est en pull, on peut parler de foot en pull. Donc on part en... Voilà, c'est ce que j'ai fait ce soir. Belmadi sera content. Sera content. Hamza Rahmani avec nous ce soir, c'est un plaisir comme à chaque fois. Toujours plaisir partagé, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien et toi? On va parler de l'Algérie. On va parler de l'Algérie. Tu vois, Hamza Bilal, on rappelle les deux. Les deux étaient au Caire. Hein. C'est ce que j'allais dire, la dernière fois que j'étais avec Hamza, c'était au Caire. On s'est pas revu depuis. Tu vois, ben, on se revoit que pour les bonnes occasions. Comme quoi, Paris est une très grande ville, hein, vraiment. C'est ça. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu lui demandes pas son armoire à lui. Alors qu'on a sensiblement le même. Attends, mais arrête, on a mec. Il y a la capuche en moi. C'est ça le problème. Hamza, il. Non, mais si j'étais venu. C'est un petit pull cintré. Mais mec, ce genre de pull, c'est dans les pubs Hugo Boss. Machin avec le stylo Mont Blanc qui va avec. Si j'étais venu avec ce pull là. J'ai jamais vu qu'un pull comme ça. Donc, avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Mec, ça c'est à la mode. Et donc lui, tu l'as déjà vu avec un pull comme ça? Oui, Hamza, oui. Ah d'accord. Donc en fait, faut en mettre souvent pour de. C'est ça en fait l'idée. Bien sûr, la force de l'habitude. Ah d'accord, ok ça. Regarde cette chemise que je porte, tu m'as toujours dit qu'elle était moche. Maintenant que je la porte de plus en plus, tu y es fait, tu vois. Ouais, voilà, oui, c'est vrai. C'est ça le problème. C'est vrai, c'est vrai. Il faut savoir stratégiquement comment imposer ses choix, Walid Acharchour. Et ça, Belmadi a su le faire durant cette année 2019. Le sommaire justement de cette émission, on va donc revenir sur les débuts des qualifications de l'Algérie pour la CAN 2021. On va revenir effectivement sur cette trêve réussie. 6 buts, 6 points plutôt, 0 encaissé. L'Algérie de Belmadi qui est donc déjà en route pour le Cameroun en 2021. On va revenir sur les deux matchs disputés par les Fennec. Et puis ça nous permettra de parler des choix du sélectionneur algérien avec des retours entre guillemets comme celui de Belkebla également et de Soudani, mais aussi Slimani qui a refait surface ce soir dans le 11 de titulaire qu'on a également vu jeudi dans une position un peu reculée lors des 30 dernières minutes. On va se poser la question de ces joueurs qui partent plutôt pour être dans la rotation, qui n'étaient pas dans le 11 champion d'Afrique, mais qui peuvent avoir leur carte à jouer sous Belmadi. Puis on terminera avec un petit peu le bilan de cette année 2019. On le fait souvent voilà, pour les grosses sélections. Et là, il est temps de le faire pour l'Algérie, parce qu'on va dire qu'on est sur une année presque parfaite. Les Fennec, en tout cas, sont de retour au premier plan du football africain et du football mondial en général. C'est un pari réussi pour Jamel Belmadi et on va justement y revenir dans quelques instants. Et ça nous amène à la question du soir, on en parlera dans cette dernière partie. Quels sont les axes d'amélioration pour Jamel Belmadi? Comment peut-il renforcer l'Algérie pour l'année 2020 et surtout pour la CAN en 2021, en juin 2021 au Cameroun? Dites-nous selon vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer? On sait qu'après une compétition gagnée, on sait de quoi on parle en France, compétition gagnée ne veut pas dire équipe forcément acceptée par tout le monde. Il y a aussi des fois des petites modifications qu'on aimerait voir, donc n'hésitez pas en commentaire les socios, vous nous donnez sous la vidéo tous vos avis, toutes les choses que vous aimeriez voir évoluer dans cette équipe, et bien sûr, et Bilal, et Walid et Hamza continueront le débat avec vous dans les camps.
commentaires de la vidéo. Avant de commencer, les socios, vous connaissez vos réflexes, vos petits devoirs des socios. Ça commence déjà par ce petit geste simple avec un seul pouce, pas besoin des deux, mais un pouce bleu pour la team Le Club des 5. C'est très important, vous le savez, pour faire grandir le projet. Donc continuez à être généreux avec nous, donnez-nous des pouces bleus et puis abonnez-vous déjà à la chaîne Le Club des 5 si ce n'est pas encore fait. On est en route vers les 50 000, alors allez-y, grâce à vous, on va peut-être y arriver très vite. Et puis abonnez-vous également à nos réseaux sociaux sur Twitter pour pouvoir suivre l'actualité du Club des 5 en temps réel, sur Instagram et Facebook pour être également avec nous au plus proche tout au long de la journée. Et puis, si vous voulez participer, bien sûr, avec nous chaque soir aux émissions spéciales, le pari du CD5, les paris du CD5 by Winamax, allez vous inscrire sur le site de Winamax avec ce code promo, le code CD5, ça vous permettra d'avoir premier pari remboursé à hauteur de 100 euros, plus 10 euros de free bet, plus... on va dire l'opportunité d'être compté comme un socios du Club des 5 et toute l'année bénéficier de plusieurs jeux qu'on va pouvoir organiser avec notre partenaire Winamax. Voilà pour les formalités, on va pouvoir parler ballon les amis et commencer cette émission avec donc cette trêve internationale qui a été parfaitement réussie par l'Algérie qui a donc conclu l'année 2019 ce soir par une victoire 1-0 au Botswana à Gaborone. Ça a été un match, on va pas se mentir, hein, c'est pas le match qu'on a préféré des Fennecs en 2019, mais on a eu droit quand même à un top but de Youssef Belaïli sur corner, un corner direct dès le quart d'heure de jeu. Ça, pour le coup, ça nous a fait sourire, c'était plutôt pas mal. C'était Andrel Di Belaïli ce soir sur le terrain. Victoire 1-0 pour l'Algérie à l'extérieur, c'est rarement facile, surtout au Botswana dans une deuxième journée de qualification. Voilà, on n'a pas vu Hamza ce soir, la plus grande Algérie, surtout qu'on ait vu cette année-là, mais il fallait conclure parfaitement ces deux matchs. On va dire qu'avec 2 victoires et 6 points pris, et en plus de ça, 6 buts marqués, 0 encaissés, on est sur une semaine parfaitement maîtrisée. Ouais, c'est déjà jamais anodin de gagner à l'extérieur en Afrique, encore et plus on, quand on tu... On le verra notamment dans la dernière partie que c'est pas facile d'enchaîner, non? Oui, oui, bah on pense, enfin moi je pense tout de suite à l'Égypte qui a fait 0-0 face aux Comores. C'est vraiment quelque chose de particulier, le football africain à l'extérieur. On peut penser qu'aller jouer aux Comores ou au Botswana, c'est comme pour nous en Europe, l'équipe de France qui se déplace au Luxembourg, en Lituanie, c'est pas vraiment le cas. La pelouse, elle était désastreuse, les joueurs en face... Si on peut appeler ça une pelouse. Et en face, les joueurs, on va pas se mentir, c'était quand même des bouchers. L'arbitre, je suis désolé, mais l'arbitre, il était là... Enfin, il était assez laxiste sur certaines interventions. Ah, et bah, également des interventions qui reçoivent le champion. Donc, ils avaient envie de montrer qu'ils étaient des hommes. À la fin, c'était vie. C'était, ouais, c'était... À la fin, ça devenait vraiment inquiétant. C'était un petit peu massacré. Je sais pas. Je suis désolé, mais l'arbitre, il est là pour assurer l'intégrité physique des joueurs. Il l'a pas fait. C'est aussi ça, le contexte africain. Belmadi n'a pas trop changé son 11. Il y a eu 2 changements. Slimani à la place de Bounjah. On peut voir la compo d'ailleurs de ce soir. C'est kiff au niveau de l'expérience niveau africain. Andy Delors, ça lui permet aussi de découvrir ce type de football parce que Andy Delors, il avait besoin de découvrir l'Afrique. Ça fait quand même bientôt 6 mois qu'il est en sélection. Ah, t'es pas à Nîmes là. Un match, exactement. Un match comme ça, ça peut lui. On l'a très très peu vu, hein, Andy Delors, mais ça peut lui permettre d'accumuler un peu d'expérience pour le football africain et c'est utile pour l'avenir. Oui, voilà. Voilà, c'est vrai qu'on va le voir avec la compo dans quelques instants, mais il avait fait tourner notamment devant sans non plus mettre à mal sa colonne vertébrale. C'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur les deux matchs, Bilou, mais c'est vrai que si on fait un bilan global déjà des deux parties, des deux résultats, comme l'a dit Hamza, c'est assez intéressant de voir qu'aujourd'hui l'Algérie est capable dans un contexte pas simple d'aller s'imposer. Et 5-0 contre la Zambie, parce que bon, 5-0 contre la Zambie, même si c'est à la maison, c'est pas non plus chose simple. Surtout contre les Zambiens qui sont généralement des équipes qui savent bien se déplacer et qui savent aussi garder un score. Et aussi au Botswana, comme on vient de le dire, c'était l'accueil a été chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été chaleureux, effectivement. Tout à fait. Il faut dire que la Zambie est une équipe qui joue décomplexée, donc c'est pas facile d'aller leur mettre 5 buts. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui était primordial sur cette trêve et particulier, c'est que l'Algérie rejouait des matchs officiels depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Et il est difficile de se replonger dans la réalité des éliminatoires parce que ça reste des éliminatoires avec une CAN à 24 équipes, donc avec peut-être beaucoup plus de petites nations. Peut-être pas petite en termes de niveau ou quoi, mais au niveau des infrastructures, on joue
plus en plus de matchs bourbiers, on le voit avec les autres équipes africaines, mais cette équipe d'Algérie, elle a eu beaucoup de mal par le passé à gérer ses après-victoires et ses après-sacres. On se rappelle après 2014 où ça a été un peu plus compliqué, en 2010 c'était catastrophique après, donc je pense que Belmadi a beaucoup travaillé cette remise au travail et d'avoir le bon message auprès de ses joueurs. Tu parles de bonne dynamique. Oui, quand je dis de sacre ou de succès, quand l'Algérie fait 8e de finale, c'est un exploit pour le football algérien, mais après c'est dur de se remettre dans le bain. Et Belmadi a eu un discours auprès de ses joueurs pour les remobiliser. Je pense que justement la série d'invincibilité a fait qu'il a pu tenir en haleine son équipe en leur disant bah les gars, maintenant l'idée c'est de continuer de gagner et de continuer de rester invaincu. Il y a même un journaliste qui lui a soufflé hier en zone mixte que l'Algérie pouvait finir l'année invaincue, et donc il a réagi. On la verra, c'est ça tout à l'heure. Il a réagi en disant bah tiens, c'est ce que je vais dire aux joueurs, et il a toujours cette petite carotte qui fait qu'il les tient en haleine. Après, au-delà de ça, ce match-là, c'est surtout l'absence de Riyad Mahrez qui a permis de recomposer une équipe différente. Mahrez qui était forfait pour des raisons familiales. Derrière, ça a changé un peu le dispositif avec une équipe qui était plus en 4-4-2 finalement qu'en 4-3-3 habituel, avec Feghouli qui jouait beaucoup plus sur le côté, Andy Delors et Slimani devant, ce qui était intéressant puisque Slimani joue à deux pointes à l'AS Monaco. Donc on a vu une équipe d'Algérie qui était différente que d'habitude, et elle s'est plutôt bien comportée, mais c'est encore une fois très difficile d'avoir une analyse de jeu. Parce que ce soir, si on prend le contexte, on peut parler de prestations solides et accomplies. Je crois qu'on peut voir la fiche match. On va la revoir même, puisqu'on l'a vu en début d'émission. C'est une prestation qui est quand même solide et accomplie, parce que le Botswana, personne ne va les considérer comme une grande équipe africaine, mais il faut aller gagner là-bas encore. C'est des bourbiers que l'Algérie ne savait pas gérer il y a quelques années, d'aller tenir un résultat, de faire des matchs d'hommes à l'extérieur, où il faut aussi temporiser, gérer ses temps faibles, ne pas céder à l'excès d'engagement. Ça peut être aussi une difficulté côté algérien, ça ne l'a pas été. Et puis voilà, ils ont su prendre l'adversaire à son propre jeu, donner des coups quand il fallait en donner et tenir le résultat. Donc sur ça, l'équipe d'Algérie a beaucoup progressé. Juste, il y a Whistle sur le chat qui me réprimande en disant que c'est un manque de respect d'associer Belaïli et Di Maria dans la même phrase, mais pas pour Di Maria. Bon, Belaïli, il me précise bien. On était sûr. Bien sûr, et oui, bien sûr. Il y en a un qui a gagné une CAN. Est-ce qu'il a gagné une CAN, André Di Maria? Est-ce qu'il a gagné une Copa América? Non, et voilà. Donc je comprends aussi Whistle. Il n'a pas gagné la Ligue des Champions africaines non plus. Non plus, voilà, juste la Ligue des Champions européennes. Mais qu'est-ce que c'est la Ligue des Champions européennes? Voyons. Walid, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le match de ce soir. C'est une blague, hein, je précise, pour certains qui prennent un peu tout au premier degré. Revenons un peu sur le match de ce soir, avant de parler un petit peu de la Zambie aussi vendredi. C'est vrai que dans la compo, ça a été assez intéressant. On la revoit là, effectivement, Bilal en parlait, avec Mahrez laissé au repos. Delors avec ce rôle un peu hybride, où on l'a vu effectivement aligné sur le côté sur la feuille de match, mais énormément dézoné durant la rencontre. Ce qui est bien aussi, c'est que ce soir, on voit que Belmadi peut faire tourner, tout en gardant quand même une grosse partie de sa colonne vertébrale et en gardant un seuil de performance qui ne bouge pas, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que tout a été dit, hein, que ce soit de la part d'Amza ou de Bilal. Bonne soirée. Non, mais au cas où. Non, mais laisse-moi continuer. Je suis fatigué, on peut y aller si tu veux. Non, pas du tout. Mais voilà, je pense que tout a été dit. Le plus important ce soir, c'est l'état d'esprit, la victoire, parce que dans un contexte africain, on le répète à chaque fois, mais c'est très très dur d'aller gagner dans ces conditions-là, parce que ce soir, c'était tout sauf un match de football. Il faut être honnête. Clairement, c'était un combat physique avec une grosse densité, que ce soit au milieu de terrain ou derrière. Et j'aimerais retenir, moi, plus l'assise défensive, la charnière centrale Ben Lamri Mandi, qui est encore top ce soir. Au milieu de terrain aussi, j'ai vu Benacer et Belaïli répondre présent dans l'impact, les latéraux aussi. Peut-être Atal a été un peu plus en difficulté. Voilà, même si il a aussi utilisé sa capacité physique dans certains moments et surtout ses accélérations qui ont fait mal sur certains moments, même s'il s'est fait découper à deux trois reprises. Défensivement, il était en difficulté, ouais, face au seul joueur qui était dangereux en face, mais surtout Atal, excuse-moi, je te coupe, c'est le côté dans ce type de match.
faut aussi jouer de l'intelligence et savoir lâcher son ballon au bon moment. Il manque de maturité encore Attal, de toute façon, voilà, on le sait. 2 fois, 3, 4, 5 fois. Oui, allez, en fait, il a un peu la qualité de ses défauts, Youssef Attal. Il est un joueur qui est très en rupture. Et effectivement, sur ce genre de match, où on demande peut-être plus de temporiser, de se canaliser. Ça viendra avec l'expérience, avec l'âge même. C'est pas forcément l'expérience. Quand on prend un joueur comme Ben Lamri, par exemple, ce soir, vous le disiez, performance plutôt encore costaud de sa part. Regardez, c'est assez exceptionnel aussi Ben Lamri parce que bon, l'expérience de la sélection nationale, il n'en a pas tant que ça. Ouais, il n'a que 14 sélections avec les Fenech et ça lui va bien parce que finalement, sur ces 14 sélections, eh ben, il n'a tout simplement jamais perdu, vous le voyez. Donc ça confirme aussi la solidité ce soir au Botswana, à Gaborone, des hommes de Belmadi. J'aimerais que tu voulais rajouter quelque chose. Non. J'aimerais juste qu'on revienne aussi un petit peu sur le match de vendredi. Maintenant, c'est vrai que vous l'avez dit ce soir, vous avez à peu près tout dit. Hein, c'est vrai qu'on a vu un match de foot un peu haché, enfin un peu complètement haché au vu du contexte. Ça a été différent vendredi et c'est là où ça a été jeudi et c'est là où ça a été assez intéressant, c'est que face à la Zambie, on a vu une Algérie à la maison qui a réussi aussi à poser sa patte sur le terrain. Victoire 5-0, donc c'était jeudi soir avec en plus des buteurs, hein, Bounedjar le doublé, on a eu Belaïli, on a eu Soudani, on a eu également qui c'est qui a marqué, Ben Sebaïni qui a ouvert le score tout à fait. Beau but en plus. Un très beau but. Enfin, ça a été plutôt de beaux buts en général. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, plus celui de Belaïli. Sur toute la soirée, ça a été assez sympa, effectivement, avec l'enroulé de Belaïli. Ça a été une grosse prestation, une grosse fin de match aussi, Hamza. C'est ça qui a été assez impressionnant de la part de l'Algérie. Ils ont tué le match parce que je crois qu'il y a 2-0 à peu près à la 60e. Ouais, c'est en fin de match. Mais après, sur les 30 dernières, ils explosent leur adversaire. Ça aussi, c'est intéressant parce que même si on fait le parallèle au-delà du contexte africain, même le contexte sélection internationale, on a tendance des fois, l'exemple ce soir, ceux qui ont pu suivre le match de l'Espagne, il y avait 4-0 à la mi-temps contre la Roumanie. C'est bon, il n'y a plus rien à faire. La deuxième mi-temps est un peu plus brouillonne, est un peu moins. On met un peu moins d'énergie. Là, on a vu une Algérie, notamment sur la dernière demi-heure avec les rentrées des joueurs, etc., continuer à mettre son jeu en place. Et finalement, tu repars avec une belle, en mettant une belle fessée à l'adversaire. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont aussi une carte à jouer. Ça veut dire que quand tu fais potentiellement, offensivement, le potentiel offensif de l'Algérie, il est quand même assez extraordinaire, je trouve, sur le continent. Quand tu fais rentrer, Delors n'est pas rentré, mais quand tu fais rentrer Soudani, quand tu fais rentrer Slimani, t'as Andy Delors qui attend, t'as Ounas qui est à la maison. Enfin, t'as tellement de joueurs qui ont une carte à jouer. T'as Belkebla qui a fêté sa première sélection. T'as tellement de joueurs qui ont une carte à jouer que forcément, eux, quand ils vont rentrer, ils vont s'arracher. On voit les trois changements vendredi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que le score en soi, le 5-0, moi je le trouve plutôt flatteur pour l'Algérie. Il y a une première période qui était maîtrisée, mais face à un adversaire, je trouve la Zambie qui a fait une très très bonne première période. Le but de Ben Sebaïni qui arrive quasiment dans le temps additionnel a fait du bien au vert. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs, de toute façon, peu importe que tu changes ton 11 de départ ou que tu fasses des changements, qui ont tellement cette chance que Belmadi leur offre du temps de jeu, qu'ils veulent forcément essayer de gratter quelque chose, Et c'est quelque chose qui marche, le retour d'Hilal Soudani, c'est magnifique pour lui, c'est la belle histoire. Justement, c'est un peu, et ça va nous permettre de lier ce débat à notre deuxième partie de l'émission, qu'on va pouvoir entamer tout de suite, c'est les hommes, les choix de Belmadi sur cette trame internationale qui sont intéressants, parce que, comme on l'a dit, il a essayé quand même de... On a dit les 12e hommes de Belmadi. Alors, on va nous dire, les plus malins d'entre vous nous diront qu'il n'y a qu'un seul 12e homme, et c'est vrai, vous avez raison. Mais justement, là, on a la sensation qu'il est en train d'avoir plusieurs, si je peux me permettre l'expression, 12e homme, à savoir plusieurs joueurs qui peuvent rentrer en cours de match ou même dès le début de la rencontre et qui peuvent être performants. Justement, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces tests, Bilou. On a vu les changements. On va commencer avec Soudani, parce qu'il y a Slimani et Belkebla qui sont deux cas totalement à part. Soudani, à la limite, on peut vraiment le raccrocher à Belkebla, mais juste dans les faits, c'est qu'ils n'ont pas joué la CAN tous les deux, pour des raisons totalement différentes. Pour revenir sur Soudani, c'est vrai qu'il est un poste aujourd'hui où Bounedjar surperforme, où Slimani est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, même s'il joue un peu plus reculé, où Andy Delors a pris sa place pendant la CAN, semble quand même être un beau joker. C'était compliqué pour lui de revenir aussi sur cette trêve-là, avec autant, entre guillemets, autant d'enjeux pour ses débuts des éliminatoires. Il a très bien géré son entrée jeudi soir. C'est ce qui est intéressant dans la gestion de Belmadi et surtout dans la performance du joueur. Ouais, même ce soir, sur les quelques ballons qu'il a eu à négocier, je l'ai trouvé plutôt incisif. Après, l'avantage qu'a Soudani, pour parler brièvement de lui, c'est que c'est un joueur qui a plutôt le profil de jouer sur un côté en équipe d'Algérie. Il a longtemps été
performant à gauche dans un 4-3-3 où on sait qu'il est capable de prendre la profondeur et de se retrouver comme ce deuxième attaquant qui a la réception des centres au second poteau. C'est comme ça qu'il est performant en équipe d'Algérie. Il l'a été donc contre la Zambie où son entrée en jeu est plutôt bonne. Il peut marquer un but juste avant celui qu'il inscrit. Au-delà de ça, c'est les choix de Belmadi qu'il faut saluer, et je trouve qu'encore une fois il est très juste dans ce qu'il fait, Jamel Belmadi, parce que pour revenir un peu plus en arrière, cette équipe et ce 11, il l'a construit un peu au jour le jour. Pendant la Coupe d'Afrique, on le sait, il a eu très peu de temps à son arrivée pour construire cette équipe. Et donc, il s'est bâti un 11 avec lequel il a avancé, avec lequel il a gagné. Et il a formé ce 11 à la victoire. C'est d'ailleurs le même 11 qui joue contre la Colombie, qui est aligné contre la Zambie. Et maintenant, et là où il est très bon, je trouve, Belmadi, c'est qu'il garde cette colonne vertébrale. Et il arrive en fait à implanter des joueurs qui sont en forme en club sans forcément bouleverser ses hommes de base. Et ça, c'est le gros défi d'un sélectionneur. C'est d'abord... Ouais, parce qu'on va voir par exemple le début de saison de Soudani. On est sur. Ouais, il est très bon à l'Olympiakos. Voilà, début de saison pareil, qui démarre bien quand même. Pareil pour Slimani, pareil pour Belkebla qui est aussi bon avec Brest depuis le début de saison. Mais en fait, le gros défi pour Belmadi, c'est de garder sa colonne vertébrale et d'être capable de mettre les joueurs en forme du moment. Et ça, c'est un vrai boulot pour un sélectionneur parce qu'on le sait, je prends l'exemple de Didier Deschamps, il avance avec son groupe, il y a cet esprit, cette homogénéité qu'il faut garder, mais il faut être capable en fait de sortir l'homme clé au bon moment et l'homme en forme du moment. Aujourd'hui c'était Soudani, il a bien fait de le rappeler et ça a marché. Ça a été Belkebla aussi contre la Zambie à un moment où Feghouli était très en dedans, en mot, parce que Feghouli a pas fait un super match aujourd'hui, il a pas fait un bon match non plus contre la Zambie parce qu'il était vraiment éreinté physiquement, on le sent très émoussé, et pour le coup Belkebla est capable par exemple d'apporter une variante qui n'existe pas dans cette équipe. On n'a pas ce profil là qui est assez fin mais finalement très très généreux dans l'effort et qui est capable de jouer vraiment de manière hybride entre un poste défensif et offensif. Ça permet de varier les systèmes aussi, c'est l'arrivée de ces joueurs. Slimani a remis à la mode le système à deux attaquants qui n'était pas très utilisé par Belmadi depuis son arrivée. Non, c'est justement remis... Soudani et Slimani qui ont à un moment donné plus ou moins joué comme ça. Exactement, et là il a remis Slimani parce que ça marche bien à l'AS Monaco avec Wissam Ben Yedder. Derrière, Belkebla te permet de jouer dans un 4-2-3-1 avec Bennacer. D'ailleurs, les deux ont joué ensemble à Tours, si je dis pas de bêtises, et s'entendent bien sur ce double pivot. Donc ça permet aussi de voir Bennacer sous un nouveau jour. Donc quelque part, ces remplaçants-là, ils viennent aussi servir les titulaires et ils viennent apporter des variantes. Et la question du soir, je sais pas si on peut l'aborder un petit peu, mais en tout cas, ces 12e hommes font partie de la marge de manœuvre de Jamel Belmadi parce qu'il doit construire maintenant un groupe de 23 et non plus un 11. C'est intéressant de parler d'Aris Belkebla, Walid. Je sais qu'en plus, on va trahir un secret, mais tu le connais plutôt bien. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait des 1-2. Ils ont fait des 1-2 à l'époque. Il y en a un qui a pris le foot, l'autre qui a pris le journalisme. Ils ont tiré au sort, mais Walid aurait pu prendre le foot, sachez-le. On jouait ensemble à Aubervilliers il y a une certaine époque. Il y a une certaine époque, il fut un temps. C'est ça. C'est vrai que bon, la déception a été immense pour lui par rapport à la CAN. Après, voilà, chacun jugera si c'était sa faute ou non. En tout cas, voilà. Il l'a reconnu lui-même. C'est pour ça que j'ai après chacun se fera son idée sur le geste. En tout cas, l'exclusion a bien été réelle. La suspension aussi. Là, il a la chance de revenir. C'est vrai que bon, on peut aussi saluer, tiens d'ailleurs, le coaching de Belmadi. Hein. On fait une erreur, mais on peut le management. Effectivement, on peut passer l'éponge après. On va faire un bon début de saison à Brest. Tu penses qu'au final, il peut s'intégrer comme le dit Bilou au fur et à mesure du temps dans cette équipe nationale, sachant qu'on nous rappelle sur le chat que le milieu, c'est peut-être encore, et on y reviendra dans les axes d'amélioration dans quelques instants, mais c'est peut-être encore le secteur où tu peux encore te renforcer, où ça peut encore bouger, parce que on va dire que, et encore non, Belaïli joue même sur le côté, donc je vais dire, à part Belaïli, t'as personne d'indispensable, et encore Belaïli joue devant. T'as Bennacer quand même, bien sûr. Mais... Il a totalement le profil, c'est un joueur besogneux, mais qui a quand même une qualité technique, qui a un très très bon état d'esprit, et qui travaille pour l'équipe, que ce soit à Brest, ou même sur sa rentrée contre la Zambie, et je suis persuadé que, ouais, comme le disait Bilal, son profil peut aider l'équipe nationale. Et quand tu vois que Guedjura, même si c'est pas son, voilà, il joue pas devant la défense, même si Belkebla joue pas devant la défense, mais que ce soit Guedjura ou Feghouli, il commence à avancer dans l'âge, et il fait partie, comme Mehdi Abed, des potentiels voilà, ils sont dans la rotation dans les choix de Belmadi. Il devait être dans la liste des 23 et il devait être là en Égypte. Il l'a pas été pour les raisons qu'on connaît. Mais il n'a jamais rien lâché. Ce que j'aime bien, moi, avec Harry, c'est que sur le début de saison, il aurait pu.
vraiment prendre un coup. C'est-à-dire que c'est un peu comme Laurent Koscielny avec l'équipe de France. On se rappelle de son interview dans le CFC où il avait dit, c'était pour d'autres raisons, pour une blessure, mais il a dit, j'ai vu mes copains aller gagner la Coupe du Monde et je la gagnerai jamais. Peut-être encore plus dur pour lui parce que lui, c'est entre guillemets sa faute, si on peut le dire comme ça. Exactement. Et en tout cas, c'est pas une blessure. C'était inévitable, voilà. Il aurait pu sombrer, il aurait pu rater son début de saison à Brest. Et on parle quand même d'une équipe qui est dans la première moitié de classement de Ligue 1. Qui fut il y a très peu de temps dans la première moitié de classement. Exactement, qui montre quand même de très très belles choses, notamment au milieu de terrain avec Diallo. Et il a eu cette force pour revenir. Et il faut aussi, comme tu l'as dit, saluer Belmadi qui n'a jamais enterré et fermé la porte à un retour. Justement, très rapidement, pour revenir sur les propos de Walid, c'est super intéressant la manière dont Belmadi a géré ça. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il a été questionné sur Aris Belkebla, il n'a jamais parlé de gros incidents. Il a toujours eu des mots où il disait le petit incident, ce qui s'est passé, la chose que vous savez. Il n'a jamais vraiment insisté sur cette erreur. Il a toujours essayé de la minimiser, mais quelque part, derrière, il a toujours aussi rendu très cher les places en équipe nationale. Et c'est là où il faut saluer l'intelligence de Belmadi, c'est qu'à la fois, il a vraiment fait comprendre aux joueurs qu'une place en équipe d'Algérie, ça se méritait, et qu'il fallait être irréprochable pour l'avoir, mais que derrière, voilà, il était à l'écoute des joueurs, il était proche d'eux, il pouvait leur pardonner, il pouvait les remettre en selle, il leur donnait la confiance, on parle de Soudani, mais il a redonné la confiance à Slimani, à un tas de joueurs dans ce groupe, à Belaïli et tout. Guédura également, il les a relancés, il a redonné des secondes chances, mais il a toujours dit, voilà, l'équipe d'Algérie, c'est faut être irréprochable. Il y a un documentaire qui est passé là sur Bein Sport où carrément il explique, c'est une scène qui m'a rendu fou, il explique carrément que quand Delors est venu, la première chose qu'il lui a dit c'est écoute moi ta teinture j'aime pas ça. Et Delors est allé chez le coiffeur, il l'a envoyé chez le coiffeur, il est revenu avec une nouvelle coupe de cheveux, il lui a dit là c'est bon. Et en fait il y a cette fermeté et à la fois cette souplesse avec Belmadi qui est, je trouve moi très intéressante à observer en tout cas. C'est quelqu'un de toute façon qui est encore jeune. Il est dur et juste. Qui parle l'arabe dialectal, qui parle le français, qui sait comment manier, parler à l'ensemble du groupe. Donc c'est clairement sa plus-value, je pense, par rapport à d'autres. Tu parlais de Slimani, j'aimerais qu'on en dise un mot. On en parle maintenant qu'il est dans le club des 5 grands champions européens, on en parle quasiment chaque semaine. Mais c'est vrai qu'avec la sélection, c'est intéressant aussi, Hamza, parce que quand tu parles, Bilal, d'avoir redonné confiance, c'est vrai qu'Hamza, pour le coup, il l'a pris. Slimani n'était pas dans la meilleure forme de sa vie, il l'a amené à la CAN. À la CAN, il a pas eu le rôle que Slimani a pu avoir. Slimani n'a pas eu le rôle qu'il avait eu lors des dernières précédente compétition avec l'Algérie. Il a été vraiment derrière Bounedjar. Même à un moment donné, on ne sait toujours pas si c'était Delors ou lui le numéro 2 entre guillemets devant, puisque les deux ont plus ou moins eu le même temps de jeu à la Coupe d'Afrique. Mais c'est vrai que là, on le voit, il le relance. Bon, ce soir, il le met en neuf. C'est vrai que son match ce soir, globalement, n'est pas génial. Exactement. Sa rentrée est beaucoup plus intéressante contre la Zambie. Et le rôle qu'il a eu. Il a l'origine du but exactement. Et avec le rôle qu'il a, c'est-à-dire un rôle où il a énormément décroché comme il peut le faire à Monaco. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que. Et ça va nous amener vers le dernier débat sur les axes d'amélioration. Mais est-ce que Slimani peut-être essayer de, avec le rôle qu'il occupe à Monaco et surtout la fonction qu'il a, passeur, buteur, un peu le Zidane du Rocher, est-ce que c'est une fonction qu'il peut trouver également en sélection? Est-ce que ça peut être une carte à jouer pour Belmadi au moins en fin de match déjà, comme on l'a vu contre la Zambie? C'est ça, on l'a vu face à la Zambie, ce 4-4-2 ou avec les entrées de Soudani. Parce que ça correspond, on disait, le score est lourd. Et il s'aggrave surtout les 30 dernières minutes, il s'aggrave au moment où Slimani rentre. Ouais, moi je pense qu'il y a une vraie carte à jouer, pourquoi pas aussi pour les matchs à domicile face entre guillemets aux petites nations. Après, au niveau du calendrier, il reste le Zimbabwe qui est peut-être l'équipe la plus solide du groupe. Ouais. Mais oui, je pense qu'il y a un vrai coup à faire sur des parties de match, pourquoi pas même en début de match. J'ai eu un petit regret aujourd'hui, pour être honnête, c'est de ne pas voir l'association Slimani-Bounedjah ensemble. C'était ma question, j'y arrivais. Parce que je pense que c'est une association qui. Moi, franchement, j'en salive, tu vois. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Après, tu peux aussi jouer avec Soudani sur le côté, Blaili, Mahrez, il y a du monde. Mais Slimani, je pense qu'il y a une vraie carte à jouer dans ce rôle-là. À l'extérieur, ils sont compatibles, Slimani. Oui, à l'extérieur, effectivement, ça peut être compliqué. Mais à la maison, par exemple, comme le disait Hamza. À l'extérieur, on a souvent vu une équipe d'Algérie par le passé en 4-4-2 comme ça. On le voyait même en 4-2-4 et il y avait un manque d'équilibre. Là, le fait que Feghouli, que ça soit. Quand il joue à gauche ou milieu relayeur gauche, il a un gros travail. Le problème, c'est que ce soir, Mahrez n'est pas là.
Est-ce que tu peux mettre un 4-4-2 avec Mahrez, Belaïli, Slimani, Bounedja à l'extérieur? Faut en sortir en milieu. Ouais, faut sortir. Ouais, ce soir, ça aurait pu. Et surtout, oui, ce soir, oui. Et surtout que si jamais tu dois intégrer Slimani en 10, si t'en sors un, oui, mais, c'est Feghouli finalement. Le problème, c'est que Feghouli, c'est un tollé dans cette sélection. C'est ça. Ok, il est pas. Il fait pas un grand rassemblement, mais il a montré l'importance qu'il avait dans ce système de jeu. Et je le dis, ce soir, ça aurait pu le faire parce que Feghouli est là. Mais je parlais de Mahrez, mais tu peux rajouter aussi Atal sur le côté droit qui monte beaucoup. Après, donc, de toute manière, je pense que les choix de Belmadi sont très situationnels. Là, aujourd'hui, il met deux attaquants aussi parce que le Botswana joue à trois défenseurs et que de mettre en 4-3-3, c'est condamner ton avant-centre et le mettre en situation de. Enfin, l'adversaire serait en situation de surnombre. Effectivement, je pense que Delors est peut-être plus compatible avec Slimani dans cette configuration-là parce que les deux peuvent. Delors peut s'étirer, on sait qu'à Montpellier, il a l'habitude de jouer à deux. Il est capable aussi en équipe d'Algérie d'aller jouer sur un côté et d'écarter un peu d'étirer le bloc algérien. Donc il a presque toujours joué à deux dans sa carrière. Ouais, il est aussi compatible que Slimani à ce niveau. Mais tu as raison, Samuel, de parler de cet avantage-là que Slimani a à Monaco, c'est qu'il sert la micro-tactique de Belmadi. Ce positionnement permet à Belmadi de voir les choses différemment. Là, on a fait Feghouli qui est pas bon physiquement ou Mahrez qui est pas là, mais c'est des choses qui vont pouvoir se reproduire à l'avenir. L'Algérie va rejouer au mois de mars. On ne sait pas avec quel joueur elle va rejouer, dans quel état de forme, qui jouera en club ou pas. Et c'est là où Belmadi aussi a une réflexion à mener qui est intéressante, parce qu'il va devoir créer des scénarios et créer des fictions autour de cette équipe d'Algérie, des systèmes de jeu, des associations, et pour sortir la meilleure au moment où l'équipe va se réunir. Mais le problème dans tout ça, enfin, c'est des problèmes de riche, hein, des problèmes qu'il n'avait pas il y a encore 3-4 mois, parce que Slimani était en situation d'échec avec Fenerbahçe notamment. C'est que dans le 4-3-3, Delors ne peut pas jouer sur un côté. Il l'a déjà fait jouer sur un côté. Il l'a déjà fait jouer, mais c'est quoi contre la Tanzanie? C'était une sorte de 4-4-2 avec Ounas quand même sur un côté. C'est même lui qui fait la passe de l'extérieur du pied. Il dézone beaucoup, il a une certaine liberté, mais si tu regardes bien le système de jeu, t'as quand même Ounas et de l'autre côté, il y a qui? J'ai un doute. Belaïli n'est pas là, je crois. C'est Bennacer. Au milieu de terrain, Abed Boudaoui. D'accord. Et donc Bennacer est sur le côté avec Delors. Donc là, ça bouge énormément. Et je me dis que dans le 4-3-3, vu que Bounedja est aujourd'hui indéboulonnable, Slimani ou Delors, t'es obligé de finalement soit changer ton système, soit l'adapter avec une animation complètement différente. C'est surtout que l'arrivée de Soudani en fait vient aussi condamner une place sur le côté. Bien sûr. Mais je pense que Soudani et Ounas partent dans le système de jeu aujourd'hui, auront beaucoup plus de facilité à s'intégrer. Parce que leur positionnement est plus lisible avec Ounas. Ounas, on rappelle qu'il n'est pas là, mais alors je vous en dirai peut-être plus, mais on rappelle aussi qu'il sort d'une grosse blessure de mois. Il a joué qu'un match contre Bordeaux. Exactement. Il a joué qu'un match et puis non, mais je pense que Belmadi et un match c'était deux jours avant de partir à la trêve. Bien sûr. Voilà, il veut se donner, à mon avis, le plus d'options possibles. Et l'idée, c'est, comme je disais, c'est qu'au moment où il va faire sa liste, il puisse compter sur des joueurs selon les formes du moment et selon les blessures. Une sélection, c'est très difficile à ce niveau parce qu'on sait comment on la quitte, mais on ne sait pas comment on la retrouve. Au mois de mars, on ne sait pas qui sera en forme et qui ne le sera pas. Donc, c'est important pour lui. Après, Slimani, il doit vraiment beaucoup à Belmadi parce que s'il ne le prend pas à la CAN, après la saison qu'il avait fait à Fenerbahçe, après tout ça, il n'y a pas ce transfert à Monaco, il n'y a pas cette remise en selle. La sélection, de toute manière, Slimani, avec cette sélection, c'est une histoire d'amour. C'est la sélection qu'il a révélée, c'est Vahid. Là, c'est la sélection qu'il remet en selle. Donc, effectivement, c'est un personnage très important de l'équipe d'Algérie. Il y a un club qui lorgnait sur Slimani avant même qu'il dispute la CAN. Hein. Enfin, exactement. C'est un club que Monaco affrontera le week-end prochain. Ouais. Voilà. Avec un coach portugais qu'il aime beaucoup, Islam Slimani. Je peux vous le garantir. J'aimerais on va parler des axes d'amélioration. On y arrive enfin avant de parler de cette superbe année 2019 de l'Algérie. On va terminer notre deuxième partie avec cette question du soir, les amis. Comment Belmadi peut-il renforcer l'Algérie? C'est vrai que déjà, on a une bribe d'idées avec ce débat sur Slimani, mais c'est vrai que quand on prend cette année 2019, si on fait un petit récap, ce qui va aussi nous introduire le débat d'après, mais il a trouvé son 11 Hamza, il a gagné la Coupe d'Afrique, il a aujourd'hui un buteur, il a aujourd'hui un capitaine qui est pleinement performant. Il a trouvé beaucoup de choses. Voilà, effectivement, ça commence à plus que se dessiner. Ça commence à vraiment. On n'a plus de flou comme ça pouvait être le cas, notamment lors des années post-Coupe du Monde 2014. Aujourd'hui,
selon toi, quels sont les axes prioritaires d'amélioration pour l'Algérie pour éviter un fiasco en 2021 ou éviter de retomber dès l'année prochaine dans des pièges dans lesquels ils sont tombés pendant des années, à l'extérieur notamment, on en a parlé, ou contre les grosses équipes africaines qui étaient leur talon d'Achille aussi avant la compétition. C'est intéressant et ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que Jamel Belmadi, il est dans l'anticipation. Et il faudra voir comment il va gérer l'axe du milieu de terrain. Guedjura, qui n'est plus tout jeune, Ferouli, tu le disais également tout à l'heure. Le problème, c'est que, alors offensivement, je pense que l'Algérie est dans une situation où tu as des titulaires, tu as des remplaçants, tu as éventuellement des mecs derrière qui peuvent arriver. Je pense que, juste si on prend les joueurs individuellement, offensivement, tu es déjà bien. Tu es déjà même très très bien. Défensivement, tu as ton back four. Ça a toujours été le cas hein, dans l'histoire, enfin dans l'histoire récente. Ah, pas vraiment. En 2010, non. On avance quand même 109 à la Coupe du Monde. Non, dans l'histoire récente, depuis 2014, si tu veux. Oui, oui. Ça va mieux. C'est plus derrière. On va dire que c'est le secteur le plus fourni, effectivement. Voilà. Et derrière, tu as tes quatre titulaires qui aujourd'hui, je pense, sont tous les quatre intouchables. Mais en doublure, tu as perdu Halish, qui était un élément quand même très très important du groupe. Tu as ton troisième défenseur central qui reste Tarhat, mais dont on verra qui sera le quatrième. Sur le côté gauche, tu as le flou, évidemment, autour de Fawzi Roulam. On ne sait pas trop où il en est aujourd'hui, même si Belmadi, en conf de presse, à chaque fois, il dit. Il lâche des petits tacles, mais. Toujours avec ce côté... Ouais, plus au journaliste qui pose la question sur Goulam qu'à Goulam lui-même, voilà. Ouais, avec le fameux « j'ai contacté Goulam par le même biais qu'il m'a contacté par son frère », enfin, c'est du Belmadi. T'as Fares qui est gravement blessé, on ne sait pas si on le reverra cette saison. Sur le côté droit, Atal n'a toujours pas de doublure parce que Lucif, qui vient d'arriver à Angers, n'a pas encore joué. Enfin, au milieu de terrain, il y a beaucoup de monde. Mais là aussi, il va falloir les intégrer. Boudaoui. Il y a Zéphane qui est en club, on rappelle Fares, qui était à la CAN. T'as le retour de blessure de deux milieux de terrain qui auraient pu disputer la Coupe d'Afrique, qui l'ont manqué sur blessure. T'as Chita qui joue toujours en Algérie à l'USMA. Exact. Il vient juste de revenir. Le match Togo, qui est un peu le match fondateur de cette Algérie-là. Oui, Chita était titulaire, évidemment. Il faisait partie de ces nouveaux joueurs appelés par. Enfin, nouveaux joueurs appelés par Belmadi. Nouveaux joueurs installés par Belmadi, plutôt. Et ça a été un vrai coup dur. Il y a Victor Lekhal qui s'est blessé contre la Tunisie. Qui s'est pété pour ses premières minutes. Exactement, dès ses premières minutes. Donc, il y a, mine de rien, quand même pas mal de travail, d'axes d'amélioration dans le nombre de joueurs, dans la quantité dans de joueurs pour avoir en cas de pépin physique sur un. Oui, parce que demain matin, Aïssa Mandi se pète, t'as une. C'est vrai qu'ils ont passé la moitié de la CAN sans Atal, donc tu dédramatises un peu la situation valide. Mais c'est vrai qu'on a le 11 est très costaud, derrière, déjà, ça l'est beaucoup moins. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça, la base. Il y a un an, je ne pouvais pas citer le 11 de l'équipe d'Algérie, aujourd'hui tu peux le faire et tu peux même rajouter 2-3 joueurs qui peuvent intégrer. Je peux citer les 15-16 du groupe. Exactement, donc le travail qu'a fait Belmadi, il est extraordinaire. Maintenant, moi je pense pas que ce soit forcément les hommes, mais plutôt l'animation et comment se réinventer pendant un match. C'est ce qu'on avait dit pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est passé. Ils l'ont gagné contre le Sénégal, ils l'ont gagné notamment aussi contre le Nigeria à la 95e minute. Mais la lecture, et ça fait partie aussi de l'axe de progression de Belmadi, parce que c'est un jeune entraîneur, faut le rappeler, c'est sa première grosse compétition. Mais je pense que dans sa faculté à se réinventer et à être flexible tactiquement pendant un match, ça va être la grosse... Pas forcément pour les éliminatoires de la CAN. La CAN, tu iras avec le format à 24, il n'y aura aucun souci, surtout que tu viens de gagner. T'as fait 6 points, il t'en manque 3 pour être qualifié. Je suis pas sûr, notamment à la maison, que ce soit un gros révélateur. Le révélateur aujourd'hui, parce qu'il faut situer, quel est l'objectif majeur de l'Algérie? C'est de faire le back-to-back en 2021 ou de se qualifier à la Coupe du Monde 2022? C'est les deux. C'est de gagner tous les matchs. Vu que les compétitions en plus sont éloignées, t'as le temps de préparer c'est les deux. Et aujourd'hui, encore une fois, on sait très très bien le caractère événementiel qu'est une Coupe d'Afrique des Nations, avec le contexte d'aller au Cameroun, d'avoir cette. Cette posture de favori que tu n'avais pas. Tu n'étais pas attendu à la Coupe d'Afrique des Nations en juin dernier. Là, aujourd'hui... Eh bien, détrompez-vous. Sachez qu'il y a une émission en France qui s'appelle Le Club des 5, qui avait posé la question en novembre, l'Algérie peut-elle gagner la CAN? Bien sûr, non, mais très bien. Y croire, il n'y a aucun souci là-dessus. Le penser, on va pas me dire que le statut n'a pas changé. Il y avait au moins 4-5 équipes avant l'Algérie. Le statut, tu vas arriver, clairement, tu vas être l'équipe à battre en 2021. Ouais. C'est pas la même chose. Tu as des équipes comme le Nigeria qui travaillent bien, avec Osimhen, avec Chukwueze, tu as le Sénégal. T'as le Sénégal à un moment donné, il va falloir gagner. Clairement, moi je pense que ça va être plus dans ce côté-là
plutôt que les hommes et les... Pour moi, c'est... Finalement, c'est... pour toi, l'axe d'amélioration, qui est plutôt un axe de progression logique, c'est assumer le costume de champion d'Afrique. C'est quoi. Ça, ouais, et la tactique, maintenant, moi, j'ai plus tendance pour à... Pour l'instant, c'est le cas, hein, sur le poste 4. Il y a eu 4 matchs, mais c'est pas vraiment d'accord. Je suis pas vraiment d'accord avec Walid. En tout cas, je suis d'accord avec la finalité, mais je pense que c'est le choix des hommes qui va dicter la flexibilité tactique et pas l'inverse. Mais parce que ton 11 est là, ton 11. Ton 11, tu l'as, tu penses qu'il va vraiment bouger demain, le prochain gros match de l'Algérie. Justement, pour te répondre. Tu vois, aujourd'hui, pour te répondre, au-delà du 11, ce qui a fait aussi que l'Algérie a été très forte à la CAN et peu flexible, c'est qu'il y avait peu de place pour Belmadi pour faire des changements. Je te le disais, moi, pendant la CAN, la micro-tactique, elle était très tardive de Belmadi. Souvent, il faisait ses changements à la 89e, 90e. Pourquoi ? Parce que l'équipe d'Algérie jouait beaucoup en compensation. C'est-à-dire que dès que Benacer dézonnait, il y avait toujours un milieu qui arrivait à combler. Donc, on avait une forme d'équilibre dans cette équipe d'Algérie qui était intéressant. Cet équilibre, dès lors que tu fais des changements... Et selon le profil des joueurs que tu vas mettre en place, il va être modifié, il va devoir être adapté. Mais c'est toujours les hommes qui font que le système change. Pardon. Là, aujourd'hui, l'arrivée de Slimani, elle fait que le système change. Tu ne peux pas jouer avec de la même manière que tu joues quand tu sélectionnes un Benrahma ou un Ounas. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il va y avoir des améliorations tactiques, mais ça va beaucoup dépendre des hommes qui vont prendre le relais. En cours de jeu. En cours de jeu ou pas. Adlène Guedjoura ou Feghouli. Guedjoura, il a déjà 33 voire 34 ans. Quand on va arriver à la CAN 2021, ou là, il a 34 ans actuellement. On va arriver à la Coupe du Monde 2022 parce que ça reste quand même un des objectifs majeurs. Il sera plus vraiment très proche de la mais fin. Mais faut y aller à la Coupe du Monde 2022. Non mais c'est par rapport aux éliminatoires. Il y aura ces éliminatoires là effectivement. Début des éliminatoires Walid, en prochain. Mais il faut voir par qui Belmadi va changer son 11. Moi, je pense que dans le football de sélection, il faut pas se tromper. C'est avant tout peut-être aussi l'état d'esprit, la manière d'aborder les matchs qui est aussi très importante. Et sur cette manière-là, je pense pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Belmadi va toujours motiver les joueurs de la même manière. Il y aura toujours cet état d'esprit, pardon, d'avoir du cœur et des jambes, de courir plus que l'adversaire, de mettre plus d'intensité. Je pense que sur le peu de temps qu'il a par regroupement, il va pas faire une révolution tactique qui va être incroyable. Non, par contre, au niveau des choix des hommes, effectivement, il a. Non, mais hormis Guedjoura, clairement, aujourd'hui, dans le 11, moi, la question que je te pose. Non, mais le problème du 11, c'est qu'on n'est pas sûr de le retrouver tout le temps de la même manière. Quand aujourd'hui t'as Rafik Alish qui part, aujourd'hui on a un joueur qui est arrivé qui s'appelle Maxime Spano Rajo. Personne l'a vu jouer en équipe d'Algérie, mais potentiellement c'est la prochaine doublure. Pas beaucoup l'ont vu jouer en Ligue 2 non plus. Il va pas bouger la charnière centrale, mais, par exemple. Mais si t'as en fait ce que je veux te dire, c'est que peu importe qu'il bouge ou pas, on n'en sait rien. En fait, le football de sélection, il n'y a pas vraiment de continuité. Il y a une continuité qui est beaucoup plus dure à trouver que sur le football de club. Quand Belmadi va reprendre l'équipe d'Algérie au mois de mars, il prend l'exemple qui est très juste, Hamza, l'exemple de Tarat. Mandi est installé en charnière centrale. Il faut savoir que Mandi est installé parce que Tarat se blesse pendant 6 mois et que la charnière qui doit démarrer la CAN, c'est la charnière Tarat Ben Lamri. Celle qui joue en fait, Togo. C'est la situation qui a créé le changement d'homme et qui a créé le. Mais où tu veux en venir par rapport à la rotation? C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, si je comprends bien, aujourd'hui, l'échéance, la prochaine échéance, de la vraie échéance, parce qu'aujourd'hui, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, pour toi, c'est une vraie échéance pour l'Algérie ou pas? C'est des matchs qu'il faut gagner. Bien sûr, c'est des matchs qu'il faut gagner. Mais on c'est rappelle pas... qu'il y a 6 matchs, ils ont déjà 6 points, il leur manque une victoire sur les 4 derniers matchs qu'il leur reste pour être sûr. Bien entendu, Belmadi pourra utiliser ces matchs-là pour faire des tests, il n'y a aucun problème. Moi, je dis juste, pour répondre à la question à Sam, je dis au moment clé, c'est-à-dire quand il faudra jouer la Coupe d'Afrique des Nations ou les gros matchs pour aller se qualifier à la Coupe du Monde 2021, demain tu vas au Cameroun ou tu reçois le Cameroun ou tu vas au Nigeria, je dis que à une ou deux exceptions près, en termes d'hommes, c'est pour ça que je répondais à Hamza là-dessus, hormis Guedjoura pour moi à l'instant T, tu n'auras pas de véritable changement. Ça, tout le monde est d'accord. Mais après, ce sera plus dans l'acceptation du nouveau statut, dans l'état d'esprit, qu'il faudra garder le... Moi, ce que j'ai envie de te répondre, Walid, c'est... Qu'est-ce qu'il va changer de plus à l'état d'esprit actuel? Il peut changer, il faut le maintenir. Pour te répondre, Walid, qu'est-ce qu'il va changer l'état d'esprit? Il est déjà le bon, il doit être conservé. C'est-à-dire qu'il motive les joueurs et chaque match est pris de la bonne manière. Donc à ce niveau-là. Pour l'instant, même là, sur les matchs de recrutement. Qu'est-ce que tu veux changer dans l'état d'esprit? C'est pas forcément. Encore une fois, moi, là où je réponds à la question, je dis jusqu'ici tout va bien. Et dans l'acceptation. Si tu donnes des pistes, parce qu'aujourd'hui, je peux avoir un relâchement sur certains moments. Oui, mais par exemple là on rejoue une phase d'éliminatoire, c'est quoi le discours de Belmadi, pardon? C'est de dire on a gagné la CAN, ok,
il faut se remotiver pour aller gagner des matchs. À part prendre match après match et dire aux joueurs il faut la plus grande motivation possible, moi je te demande, je te pose question. Non mais je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux changer au niveau de l'état d'esprit? Mais encore une fois, ce n'est pas forcément que Belmadi. Je dis que le groupe Algérie, on en a vu des équipes ou des sélections, pas plus tard que le Brésil en Copa América, où tu gagnes la Copa América, tu as un sas de décompression. Aujourd'hui, il n'arrive pas côté Algérie. Bravo, bravo Belmadi, oui, bravo les joueurs. Mais là, on parlait des changements, des améliorations. Qu'est-ce que toi, tu... Par exemple, si demain, tu es censé améliorer des choses, j'ai compris ton argument, mais si demain, tu es censé améliorer des choses sur l'existant, qu'est-ce que tu changes? Être dans la prévention par rapport à ça, par rapport à la dynamique sportive de certains joueurs, par rapport aussi à l'état d'esprit de certains joueurs. On a parlé de Youssef Attal, par exemple, tout à l'heure, aujourd'hui, où on disait que ce vice-là, dans certaines rencontres, etc., peut-être qu'il ne l'a pas encore assimilé. Le prévoir, avoir toujours ce côté managérial que Belmadi... Faire ce qu'il fait déjà, quoi. Exactement, mais continuer à l'appuyer, parce que tu as quand même un groupe qui est très très jeune et qui peut... Moi je comprends ce que veut dire Wally, c'est vrai que c'est pas toujours facile de maintenir le cap. Mais ça, mais par ordre, on peut quand même estimer... Surtout quand tu gagnes une CAN, on voit que c'est compliqué. On peut quand même estimer que par ordre de hiérarchie, ça existe déjà plus ou moins, et que ça va pas changer, donc je suis d'accord avec toi, faut le continuer, mais une fois qu'on a dit ça... La deuxième chose que j'ai dit sur la micro-tactique, c'est là où on est d'accord, ça fait partie de la deuxième chose. Juste pour aller dans ce qu'on n'a pas dit, si sur ça on est d'accord, sur le reste, il y a quand même des postes. On n'a pas parlé d'un poste, mais le gardien de but. En fait, en équipe d'Algérie, il n'y a pas de concurrence derrière Raïs Mboli. Et c'est Belmadi qui le dit en conférence de presse. Il dit, on a un choix de numéro 1. Et le problème, c'est que Mboli, c'est le choix numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Demain, Mboli, il se pète, tu mets qui? Ou Kidja n'a pas encore testé, on ne connaît pas la hiérarchie, on ne sait pas si ça va être Doura ou Kidja. Ou Kidja n'est pas numéro 2 dans l'esprit. La hiérarchie, pour l'instant, n'est pas définie. Elle n'est pas définie. À droite, il parlait à Hamza très justement du poste de latéral droit, où Youssef Attal n'est pas là. Il y a une situation où, je ne sais pas, il se blesse à Nice. Qui tu mets? Tu mets Lucif? Tu mets Ilyes Chieti, qu'on a vu très brièvement, mais dont on ne sait pas encore s'il peut s'intégrer. Tu peux décaler Mandi, tu peux mettre Abdelhaoui. Au milieu de terrain, pareil. Boudaoui, c'était un peu la caution jeune dans ce groupe-là. Joueur de 19 ans, qui est un peu l'avenir de l'équipe nationale, qui est la petite pépite, un peu comme Henri Trezeguet en 98. Tu mets un jeune de 20 ans, tu le fais grandir. Là, il l'a mis sur le côté. Il l'a mis sur le côté parce qu'à Nice, il a du mal à exploser. Donc, qui tu mets? Là, il amène Adem Zorgan, qui est lui aussi une pépite du Paradou. Est-ce qu'il va être intégré à l'avenir? Et pour moi, c'est les choix des hommes qui vont être importants. Mais je te laisse réagir et apprendre la réaction de Belmadi qui répond à votre débat. Ça, c'est un problème de réservoir. Ça, c'est beau. C'est un problème de réservoir. Oui, mais donc, c'est le problème principal, on est d'accord. Mais parce que c'est ça qui va dicter la micro-tactique, les changements. Mais sur les changements, encore une fois, sur le 11 type, moi, je vois pas Belmadi mettre Oukidja ou un autre gardien à la place de Rice. Non, il n'y a pas grand chose à changer sur le 11. Il n'y a quasiment rien. Mais de dire que si Attal se blesse, si Mboli se blesse, si Marais se blesse, c'est le lot de toutes les sélections. Mais oui, mais c'est ça qu'il faut travailler, justement. Il faut travailler dans l'anticipation, il faut prévoir. Mais encore une fois, c'est là en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Pour moi, après, il faut prévoir, je vous dis, mais ça reste des joueurs majeurs d'une sélection. Non, mais le 11 va pas bouger. Oui, d'Algérie, mais qu'est-ce qu'on peut améliorer? On va pas dire qu'on améliore l'état d'esprit, il est déjà excellent. En fait, qu'est-ce qu'on améliore? On améliore, on intègre des joueurs, on les. En fait, c'est ce que je disais. Conclue Walid et Belmadi. Pour moi, la phase de test, tu l'auras jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, où tu pourras te permettre de faire ces tests-là. Le latéral droit, essayer un autre latéral droit, essayer un autre gardien, essayer un autre numéro 6, même si le numéro 6 est vraiment le poste le plus problématique. Mais quand on aura une grosse échéance, t'auras plus là où il faudra changer, ce sera plus dans la flexibilité tactique et ce qu'il nous a montré notamment sur la Coupe d'Afrique des Nations, où Belmadi va devoir s'améliorer et progresser. Mais c'est le cheminement normal pour un jeune entraîneur. C'est ce que je disais au début. L'état d'esprit, justement, il en parle, Jamel Belmadi, après cette victoire au Botswana. Regardez ce qu'il nous dit. Le sélectionneur algérien, il nous dit que l'état d'esprit, c'est important, très important même sur le continent africain. On a vu beaucoup d'équipes avec de grands joueurs, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, longtemps échoué. Donc, il rétorque encore une fois que l'état d'esprit dont vous parlez qu'il doit maintenir, c'est vraiment son leitmotiv. On a compris que au moins jusqu'à la CAN 2021 déjà, où il sera sur le principe, toujours sur le banc des Fenech, il va maintenir cet état d'esprit et cette envie de l'avoir le plus haut et le plus sérieux possible. Des petites réactions quand même sur le chat de Socios qui nous propose des actes d'amélioration pour l'Algérie. Beaucoup nous parlent de Karim Benzema, on vous rappelle que c'est impossible, même s'il a plus ou moins ouvert une porte lui, malheureusement,
juridiquement, il ne peut pas jouer pour une autre équipe nationale. Belmadi a répondu aussi. Ouais, Belmadi a dit, hein, il a dit qu'il avait de quoi faire et qu'il est, entre guillemets, pas besoin de, enfin, entre guillemets, pas besoin de Benzema. Il n'a pas dit ça. Mais bon, il a fait comprendre qu'il était très, très content avec ce qu'il avait. Il y a Aladdin, tiens, qui nous dit que 80% des joueurs de l'équipe nationale méritent de jouer dans des plus gros clubs pour essayer de s'améliorer. Il nous dit, voilà, il faut quitter le Qatar. Je pense qu'il vise, ouais, notre ami Bounedjah. Ça va être plus compliqué pour Bounedjah et Belaïli parce qu'ils sont à un âge qui est plus avancé. Donc, ils sont dans un. C'est dommage, hein, parce que c'est des joueurs cet été qui coûtaient vraiment pas cher. Après, Belaïli, il est dans une situation compliquée en Arabie Saoudite. Ouais, même avec son entraîneur, c'est un peu. Voilà, on va dire qu'elle s'est résolu pour l'instant, entre guillemets, puisqu'il a rejoué et qu'il a été buteur. Mais effectivement, mais au-delà de ça, Belaïli, Bounedjah, c'est des joueurs qui touchent un très gros salaire au golf. Ils jouent dans un environnement qui leur plaît et qui fait qu'ils trouvent un équilibre aussi de vie et un équilibre professionnel. Donc, à mon avis, pour ces joueurs-là, on continuera de les voir là-bas. Par contre, c'est un souhait de Jamel Belmadi de voir les joueurs du championnat local algérien. Justement, c'était la proposition de Jacques Noe qui nous dit qu'il y a encore trop de binationaux en équipe nationale. Non, ça, c'est une possibilité. Remets le graphe des buteurs de la Zambie et cite-moi un joueur qui est binational sur les buteurs. Ah, de la Zambie, j'ai dit, parce que Botswana, j'ai dit, il n'y a qu'un match. Mais oui, de la Zambie, oui, il n'y en a aucun. Actuellement, l'équipe d'Algérie, on va être clair, c'est quasiment du 50-50 entre binationaux et locaux. Je pense que quand il dit binationaux, je pense qu'il parle surtout de joueurs ayant été formés et évolués. Qui évolue déjà en Europe. Parce qu'il nous parle surtout des joueurs du championnat local qui sont encore trop faibles, selon lui. Mais je pense que là, clairement. Le terme binational n'est pas forcément. D'accord, parce que clairement, comme Belaïli ou Slimani sont pas binationaux. Pas dans la liste, sont joueurs locaux. Je pense que lui parlait plutôt de joueurs formés déjà à l'extérieur, surtout en France. C'est intéressant, ça rejoint ce que je disais. Belmadi a poussé et continue de pousser pour que les joueurs qui jouent dans le championnat algérien puissent aller le plus rapidement possible à l'étranger. Non, c'est lui qui est derrière il n'est pas derrière ça, mais il a poussé pour que Boudaoui aille à Nice, il a poussé pour que Lucif aille en Ligue 1 également, il a poussé pour que Naïdji aille au Portugal. Et là, c'est pareil, il sélectionne Zorgan. La première chose qu'il dit en conférence de presse, c'est « Je suis pressé que Zorgan aille en Europe pour se challenger. » Il pousse les joueurs du championnat algérien, parce qu'il l'a toujours dit, Belmadi. Il considère que le championnat algérien est de niveau faible, mais que à l'intérieur, il y a de la force, effectivement. Il y a des pépites à aller trouver. La seule chose qu'il attend, c'est que ces pépites-là aillent le plus vite possible s'aguerrir en Europe. Et effectivement, ça fait partie des gros axes de progression. Il y a aussi ce tremplin Tunisie qui est de plus en plus utilisé par les joueurs algériens, c'est le terme qui me revenait. Par beaucoup de joueurs africains, on sait que le championnat tunisien... Chedi, d'ailleurs, je disais que Chedi était à droite, à gauche. Ouais. C'est Abdelhaoui qui est à droite, c'est utilisé par Chedi. Il y a Benguit qui est pas mal en ce moment, mais lui, son problème, c'est Tunisie. Justement sa polyvalence. Il est latéral droit, il est milieu de terrain. Mais il y a pas mal de joueurs. En tout cas, il y a le vivier tunisien aussi qui sert, parce que Belaïli et Bounedjah viennent du championnat. Bah, l'espérance, je crois qu'il y a 5 joueurs algériens. Il y a à peu près Benguit. Et pour revenir sur les binationaux. En train de nous dire que les Ligues des Champions africaines remportées par les clubs tunisiens, c'est grâce aux joueurs algériens. Cette année, l'année prochaine. D'accord. Mais pour conforter ce que tu disais sur le 50-50, dans la liste des 23 actuellement, tu as 11 joueurs qui sont formés en Algérie. Donc on est sur du 55, enfin sur du 49,5. Et c'est intéressant, il y a un vrai basculement. Pour vraiment respecter les chiffres. Et puis il y a un vrai basculement parce que justement Belmadi est aussi beaucoup plus sévère avec les binationaux qui pourraient rejoindre l'Algérie. Il n'est plus dans une optique d'aller les chercher. On sait que par le passé, il y a des propositions qui ont été faites. On a un peu mis l'Algérie à la disposition des joueurs qui hésitaient à choisir entre la France et l'Algérie. Sur ça, Belmadi, il est très clair. Soit les joueurs affichent leurs préférences. Exactement. Et d'ailleurs, sur le chat, beaucoup nous disaient l'amélioration. Ça pourrait être d'ici 2020 ou d'ici 2021 ou 2022 d'intégrer des joueurs comme Aouar, comme Adli. Ça dépendra aussi de leur choix. Pour Belmadi, en tout cas, ça ne dépend que d'eux et lui n'ira exactement. Pas. Exactement. Il faudra qu'Adli et Aouar choisissent l'Algérie, voire même la choisissent avant, entre guillemets, avant l'équipe de France. Juste un tout petit mot, là, élément offensif que j'ai oublié de citer tout à l'heure, Yacine Brahimi, évidemment. Bien évidemment. Qui n'est pas dans le groupe, qui n'est pas là pour raison familiale, lui aussi. D'accord, ok. Décidément, en ce moment, ça ne va pas fort. C'est la fin d'année, la belle année sur le terrain, mais fin d'année un peu moins joyeuse en coulisses pour les joueurs. Justement, alors, juste avant de passer à l'année 2019 d'Algérie, j'aimerais qu'on parle des axes d'amélioration du club des 5. Les pouces bleus, les amis, allez-y. Lâchez les petits likes, ça fait toujours du bien.
Non, ce soir, on a un beau ratio. Franchement, c'est comme les supporters sénégalais l'autre soir, les supporters algériens. Mais justement, on parlait de locaux et binationaux, les sociaux qui écoutent, là, ils viennent plus d'Algérie. C'est vrai qu'il faudrait poser la question. Mais c'est vrai. Ça m'intéresse. On est peut-être écouté en Algérie, ça me ferait plaisir. Ah, on est. Ça, je te le garantis. On a des messages de temps en temps. Non, et puis surtout, YouTube nous permet de voir où on est écouté dans le monde. Et bien sûr, on est écouté partout. C'est ça qui est beau, effectivement. Et oui, c'est toi qui le dis. Moi, je n'oserais pas dire ça. Sinon, on va faire capture d'écran et je suis mort. Parce qu'on fait dire ce qu'on veut à des images. Et ça, certains le savent très bien sur les réseaux. Allez, on va parler, justement, on va éviter le sujet. Allez, on va parler tout de suite de l'année 2019 des Fennecs. Parce que c'est vrai que, il faut quand même revenir un petit peu sur le couronnement de cette année qui s'est donc conclue ce soir. Déjà, regardez cette liste avec 17 matchs, dont 16 en 2019. 18 avec le match de soir, dont 17 en 2019, parce qu'il y avait le dernier match de l'année 2018, sans défaite, donc c'est une année déjà invaincue pour l'Algérie, avec quand même 14 victoires et 3 nuls. On est sur un nouveau record, tout simplement, sur les 18 derniers matchs, et également sur l'année. Donc on va dire qu'en termes, déjà, si on fait un bilan comptable, c'est déjà la plus belle année du foot algérien, rien qu'en statistique. C'est vrai qu'après, quand on déjà se replacer un petit peu dans le contexte, Walid, c'est vrai que c'est l'ascension qui est assez impressionnante côté Belmadi, côté Algérie, c'est de voir que cette équipe, et je me rappelle, Hamza était avec nous, on avait fait un débrief, je crois que c'était en octobre l'an dernier ou en mars. Togo-Algérie. Le 1-0. Le Togo-Algérie, 4 buts à 1. Le 1-0. Le 1-0, c'était il y a bien longtemps. Non, moi je te parle du 4-1 à Lomé, moi. Ah, le 4-1 à Lomé. Le 4-1 à Lomé. Le 1-0 date même d'Alcaraz. Non, mais le 4. Oui, c'est exactement. Le 4. Non, et c'était pas. Ah non, c'est au Bénin, tu confonds au Bénin. Ah, c'est au Bénin que Belmadi perd. Le 1-0 Bénin sur le but de Seignon. Exactement. Mais l'an dernier, donc ce match au Togo où on dit, voilà, enfin une victoire extérieure, etc. Est-ce qu'il a peut-être enfin trouvé quelque chose? Avec cette question du soir à l'époque, est-ce que l'Algérie peut remporter la CAN? Bon, là, on est quasiment un an jour pour jour, on se rend compte que oui, ils ont remporté la CAN et que c'est plus du tout la même sélection chaotique qu'on a connue ces précédentes années. Oui, on l'a souvent répété au fur et à mesure de la Coupe d'Afrique des Nations, même sur le dernier match contre la Colombie. Le travail de fourmi de Belmadi a été impressionnant. Il a constitué son puzzle match après match, rassemblement après rassemblement. Et il a fait de cette équipe une équipe qui est aujourd'hui imbattable sur la dynamique récente. Pas imperfectible, hein. Elle a des lacunes à certains postes, on l'a dit tout à l'heure, elle a encore un axe d'amélioration. Mais ce qu'il a réussi à faire, quand moi je repense notamment au 3-0 infligé par le Portugal en amical, je crois que c'était un peu avant la Coupe du Monde sous Madjer. Oui, voilà, c'est Madjer encore à l'époque. Et l'équipe qu'il a constituée, c'est très très fort. Bilal l'a toujours dit, il a toujours soutenu Belmadi. Moi j'attendais de voir, et c'est vrai qu'il m'a bluffé match après match. Et surtout qu'on parle de victoire, mais on parle aussi de contenu. Et hormis le match contre le Sénégal sur cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Qui est contextualisable, parce que tu mènes 1-0 à 3ème. Oui, ou pour moi, ils sont passés à côté dans le contenu, mais pas à côté de l'événement. Et la nuance, elle est très très importante à énoncer. Sinon, si on se rappelle bien, tous les matchs qu'ils ont fournis à la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait le contenu. Un très très beau contenu, et la manière et la victoire, c'est ce que tout le monde recherche. Il y en a beaucoup qui ont la victoire sans la manière, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Maintenant, comme je le dis souvent sur le contexte africain, jusqu'ici tout va bien pourvu que ça dure, et c'est pour ça qu'il va falloir être attentif. Mais si, cette année 2019, elle est all-time. Si on prend, Hamza, les matchs pratiquement un par un sur les 17 matchs plutôt en 2019 et les 14 victoires, ce qui est intéressant, c'est le point de départ, donc je le disais, c'est cette Algérie-Tunisie 1-0 en amical, où on est plus sur du poursuivre ce qui a été fait au Togo et essayer aussi de faire des derniers tests avant la CAN. Mais sinon, quand on prend tous les matchs, y compris les matchs de pré-Coupe d'Afrique, on remarque que ce qui a été assez remarquable avec cette équipe, c'est la continuité, la progression de match en match. Comme le dit Walid, même si tu passes à côté de ta finale, sur ta finale, tu sais gérer l'événement. Donc rien que ça, ça montre aussi une progression. Et on a l'impression qu'elle est linéaire, effectivement, cette progression de l'Algérie sous Belmadi. Forcément, après, la Coupe d'Afrique, ça marque un tournant, parce que forcément, tu dois avoir deux mois et demi où tout le groupe va vivre ensemble. C'est le seul moment où vraiment Belmadi a pu travailler avec l'intégralité de son groupe sur une durée plus longue. C'est ce que permet de toute façon les compétitions internationales. Mais effectivement,
on voit une équipe d'Algérie qui, en arrivant à la Coupe d'Afrique, arrive avec quelques interrogations, mine de rien. Et au sortir de cette Coupe d'Afrique, on a l'impression de retrouver une toute autre équipe d'Algérie qui a des... De parler d'une équipe qui a 3-4 ans déjà derrière elle et qui domine le monde, quoi. C'est ce qui est incroyable avec cette sélection d'Algérie. Collectivement, on a senti une équipe. Après, voilà, elle s'est construite. Enfin, c'est une équipe qui a réussi à se construire sur des axes forts. Moi, je vais en reparler de nouveau, mais l'axe Ben Lamri Mandi, c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une équipe collectivement, je trouve, aussi forte. Il y a aussi la progression de certains joueurs. Bilal Belaïli en est le meilleur exemple. Je sais que ceux qui te suivent sur Twitter ont vu ce soir une déclaration comme quoi ce serait le meilleur joueur de cette sélection algérienne. Ouais, c'était un peu provocateur. C'était un peu provoque, mais c'est vrai que l'importance qu'il a pris, on va pas la refaire, mais tu rappelais son histoire assez compliquée avec le football en général, hein, où il a failli tout arrêter à cause d'une suspension pour lui aussi une bêtise grave. Il a failli tout arrêter, il est revenu. Le voir aussi à ce niveau-là, c'est un peu le symbole de cette équipe algérienne en 2019. C'est lui le symbole, finalement, plus que Riyad Mahrez en 2019 de l'Algérie, quoi. C'est la renaissance. C'est le symbole à tous les niveaux. C'est le symbole au niveau du jeu parce qu'il correspond parfaitement au visage que montre cette équipe d'Algérie, c'est-à-dire généreuse. Beaucoup plus vertical, présent dans l'impact physique, et il représente lui cette densité-là et ce style de jeu-là, Youssef Belaïli. Il représente surtout aussi le management de Belmadi. On en revient toujours au même homme. Si on veut faire le bilan, il est remis en selle par Belmadi, comme Ben Lamri est remis en selle par Belmadi, comme Slimani est remis en selle par Belmadi, et les choses ont été prises à l'endroit, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a redistribué toutes les cartes. Il a commencé par ça, par donner, et il le disait, il ne faisait pas de distinction entre local, binational, X, Y ou Z. Il l'a bien montré avec Delors, avec des joueurs qu'on n'imaginait même pas en sélection. Il les a tous remis en selle. Et il a, qui est pour moi juste la clé de ce succès-là, c'est qu'il a, fixé un objectif élevé. Certains l'ont trouvé trop ambitieux, voire parfois même arrogant dans la presse, en disant « je veux gagner cette Coupe d'Afrique ». Mais comme il a fixé un objectif élevé, il a réussi petit à petit à rentrer, à intégrer dans la tête des joueurs. Vise la lune, tu toucheras une étoile. Exactement, qu'il fallait dormir, vivre, mourir pour cette Coupe d'Afrique. C'est ouais. Ouais, pourquoi pas. En fit, alors. C'était pas totalement elle. Qu'il fallait en tout cas tout donner et travailler comme des malades une fois que cet objectif avait été énoncé. Et c'est ce qu'a fait l'Algérie et c'est ce qui les a motivés. Je parlais tout à l'heure du reportage de beIN Sport que je vous invite à voir. Mais quand Belmadi dit que pendant 2 mois avant la CAN, il rêvait de la finale constamment. En fait, il y pensait tellement qu'il y rêvait. Il rêvait qu'il allait passer à une défense à 3 en finale. Il en parlait à ses adjoints. Dans son dialogue avec les joueurs, il en parlait, il insistait avec eux, si bien qu'à un moment donné, les joueurs étaient convaincus qu'ils allaient la remporter. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très grand chez les coachs. C'est pas grand que chez les coachs, chez tout le monde, avoir cette volonté de viser des objectifs élevés, de travailler comme des malades pour l'atteindre, et surtout avoir un discours qui est juste. Je trouve qu'il a concerné tout le monde, il a fait des choix sans exclure certains. Il fait cette CAN avec 3 attaquants, il n'était pas obligé, pouvait ne pas rappeler Delors, il a pris les choses vraiment avec justesse. C'est ce qu'on peut résumer pour l'instant de son passage, c'est qu'il a jamais eu de choix type ou de choix fermé, il s'est toujours adapté aux situations. Donc tant mieux pour lui, on sait qu'il y a une CAN maintenant qui va l'attendre au Cameroun, il va préparer l'équipe nationale pour cette CAN. Il y a le Qatar, qui est aussi un clin d'œil pour lui, il a été formé là-bas, c'est un pays qu'il connaît, l'équipe d'Algérie se prépare au Qatar, joue souvent le Qatar en amical, je sais qu'il a cet objectif en tête et qu'il va commencer à en parler petit à petit et vous verrez que l'équipe d'Algérie va travailler énormément pour déjà y figurer, et puis il l'a dit, il n'est plus question que l'Algérie arrive et se fixe des objectifs limités. S'ils vont au Qatar, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais ils iront en tout cas pour aller le plus loin possible et se fixer aucune limite. Allez, pour terminer cette émission, on va heurter un peu les plus anciens d'entre nous, parce que je vais vous poser une dernière question un peu provoque pour finir. Est-ce que c'est la plus belle année de l'histoire du football algérien? Je sais que quand je dis les plus anciens, les plus vieux d'entre nous, qui nous parleront de 90. Bon, c'est vrai qu'ici autour de la table, on a tous moins de 30 ans, par exemple. Donc 90, enfin moi, j'étais même pas un projet. Mais ouais, certains chez vous étiez nés, mais vous étiez, j'imagine, un peu trop petit pour faire des analyses à l'époque sur sur le jeu des Fénés. Mes parents n'étaient pas mariés, je crois, moi encore. Ouais, moi non plus. Moi, mes parents n'étaient pas mariés, même si mes parents se connaissaient, moi, tu vois. Si mes parents se connaissaient, moi, je pense, 90. Moi, je crois qu'ils venaient à peine de se connaître, tu vois. Donc bon.
Enfin bon, donc ils ont, en gros, ils ont pas pu analyser. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est sympa. Il y a un graphe. Il y a un graphe, effectivement. Il y a une fiche rencontre. Il y a un classement selon les couples les plus, effectivement. Non, revenons à l'Algérie. On coupera sans montage, Vincent Fournier, vu qu'on n'est pas en live, bien sûr. Vous n'avez pas les histoires. Bien sûr. Les anecdotes. Vous n'avez pas les anecdotes. Voilà, on essaye d'amener un peu d'histoire dans cette émission. Vous êtes trop froid. Voilà, exactement. Walid, tiens, justement, réponds-moi, plus belle équipe. Mets-toi à dos ton papa, je sais qu'il lui est fan de l'Algérie des années 90. Non, mais voilà, même pas qu'il y a 82 aussi. Il y a 82 aussi, effectivement, avec le mondial. Voilà, beaucoup de. Que ce soit mes oncles ou mon père m'ont parlé de ces deux années-là. Maintenant, moi, je ne les ai pas connus et on n'a pas. On n'a pas cette, comment dire, cette transparence et puis c'est ce suivi comme on a suivi 2014, 2010 et cette année-là. Moi, en tout cas, de mon vécu, c'est la plus belle année pour moi, algérienne, sans aucune contestation. Après, il y en a beaucoup. Tu vas parler avec des mecs qui ont 30, 40 ou 45 ans. Ils vont peut-être. Mais moi, j'ai même croisé des personnes, je tairai les noms, parce qu'il y en a que vous connaissez, qui m'ont dit que c'était pas forcément plus grandiose que 2014, par exemple. Alors, moi, pour être honnête, je pense que sur l'ensemble de l'année, c'est la plus belle année du foot algérien que moi, personnellement, j'ai vécu. Après, je pense que l'événement marquant, quand même, de 2019, ça restera ce sacre en Égypte. Bien sûr. Pour moi, c'est peut-être pas. C'est le moment où tu communies un peu avec une grosse partie de tes supporters. Moi, j'aurais pu dire le match de ce soir, tu vas l'oublier, effectivement. Ouais. Mais moi, l'événement le plus marquant, en tout cas, oui, sur l'ensemble de l'année 2019, c'est 2019. L'année la plus forte. Non, pour moi, et on fête les 10 ans aujourd'hui. Les 10 ans, d'accord. La qualification pour la Coupe du Monde en Égypte. 18 novembre 2009. Bon anniversaire à l'ensemble des Algériens qui ont vécu ce moment, d'ailleurs. Et des Égyptiens qui aussi ont. Et des Égyptiens, d'ailleurs, c'est marrant que la boucle se boucle avec une victoire en Coupe d'Afrique. Et l'histoire de Rafik Halish, elle est magnifique en plus. Forcément, ça tombe. Mais effectivement, 2010 ou 2019 enfin, 2009 ou 2019, d'ailleurs. Moi, j'aime bien parler en cycle. Et je pense que de 2000, il faut juste souligner, effectivement, on vit une date anniversaire aujourd'hui. Et je pense que de 2009 à 2019, oui, on vit la meilleure ère du football algérien. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux qualifs en Coupe du Monde, dont un huitième de finale, une demi-finale de Cannes, un quart de finale. Une victoire en Coupe d'Afrique sur 10 ans. Que des paliers que tu franchis pour un pays, parce qu'il faut rappeler, en fait, on parle de 82 jusqu'à 90 et on parle de 2010 à 2019 parce qu'entre-temps, il y a. Sur le chat, on me dit c'est 86 au Mexique. 82 en Espagne et 86 au Mexique. Ah, ils jouent les deux, d'accord. Ils jouent avec le Mexique. Deux Coupes du Monde, c'est à peu près le même cycle sur 10 ans. Et entre-temps, en fait, il y a eu un trou noir. C'est pour ça que c'est dur de se rappeler, c'est dur d'avoir des souvenirs. Après, c'est toujours comme quand. Mais toi, pour toi, c'est un cycle de 10 ans? Non mais justement, c'est que en fait là, ce que je veux dire, c'est que là en fait, ça vient, ce qu'on récompense, la CAN, elle vient récompenser 10 ans, parce qu'en fait, il y a la génération qui se qualifie à la Coupe du Monde, ça met plus de visibilité pour l'équipe d'Algérie, il y a la loi des binationaux qui passe, derrière l'équipe d'Algérie se renforce, elle joue la Coupe du Monde 2014. T'as quand même 4 ans de vide en fait. Ouais, entre 2015 et 2019. D'accord, mais un cycle n'est jamais linéaire, mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même ces 10 ans là, elles sont mémorables pour le football algérien et il y a une continuité. Quand on voit Rafik Ali justement, qui était là en 2010 et qui est là en 2019 et tout ce qui a été parcouru, tout a un sens et tout est logique. Maintenant, effectivement, entre 82, c'est vrai que ça joue aussi au football, 82 à 90, faut pas porter un jour à cette équipe, ça jouait très bien au football. Maintenant, c'est comme quand on demande aux anciens s'ils préféraient Zidane ou Platini, quoi. C'est le football n'était pas le même. En même temps, là, il y a plus de moyens, donc bon, c'est incomparable. C'est une en tout cas, d'émotion et de sensibilité. Il y en a un qui critique la VAR et l'autre qui a gagné les Coupes du Monde, quoi. Si on peut juste lancer un message, c'est que c'est pas 2019 qui est la meilleure année, c'est vraiment les 10 dernières années. Je pense quand on est supporter de l'équipe d'Algérie, les 10 ans qui ont été vécus, elles ont quand même été chargées d'émotions. Et tu sais qu'il y a des bonnes émotions hein, quand tu prends 4-0 à Marrakech. Ouais, c'est pas linéaire. C'est les Marocains s'en souviennent. Ça, ouais, je peux te le garantir. Mais finalement, tu parlais des trous, mais je pense que les trous, les claques que se sont pris l'équipe d'Algérie ont fait plus de bien qu'autre chose. Tu perds 4-0 contre le Maroc, tu récupères Vaïd, tu fais un 8e, tu prends Madjer, c'est catastrophique, et derrière, tu gagnes une CAN. Donc, bon, pour l'instant, les échecs nous vont si bien. Déjà, il m'a dribblé complet. Je lui ai demandé si c'était la plus belle année. Il m'a dit c'est 10 ans. Voilà, c'est comme ça au moins. Je pense que sur le chat, il. Pareil, ce comme ça au moins il s'est pas mis à dos ceux qui préfèrent 2009 ni à dos ceux qui préfèrent 2014 et il y en a beaucoup comme ça au moins on aura peut-être qui préfèrent 82 en fait. Il y en a effectivement on a quelques anciens sur le chat, je vois Jackson qui nous dit 82 c'était incroyable. On parle quand même d'une équipe d'Algérie qui bat l'Allemagne 82 tu bats l'Allemagne effectivement, c'est le fameux match de la honte 82, il me semblait que c'était 86 comme quoi voilà ouais, 86 c'est pas excellent en histoire de 86 il y a je vois sur le chat qu'il y a un animateur de cette émission, devinez lequel du coup, vu qu'il y en a qu'un
Il y en a qu'un qui peut être sur le chat qui nous dit il y a de grands hommes qui sont nés en 90. C'est vrai qu'il est très grand, Romain Bédou, qui doit faire un bon 90. Non, mais c'est vrai, Romain Bédou qui est de l'année 90. Il est sur le chat à cette heure-ci. Bien sûr. Et s'il y a un animateur, et c'est je m'inclus dedans pour le coup, qui est là tous les soirs, chat ou en plateau, c'est bien lui. C'est fort. C'est bien lui. Tu vois, quand tu m'as dit Romain Bédou, je me suis dit, mais sur quoi il va intervenir? Nous, on dort. Sur un sujet Cannes. Nous, on dort. Il a essayé de glisser le celso. Il est intervenu sur la slide. Mais il a vu qu'on parlait pas de l'Argentine. On parlait de projet tout à l'heure, en 82, il est né, Romain Bédou. Non, il est né en 90. C'est pas méchant. C'est pas le match de la honte. Il a arbitré. C'est pas on le salue, Romain. Bien sûr. Il sera là demain, Romain. D'ailleurs, je préviens, alors, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup sur le chat du coup ce soir, mais tous les supporters marocains sociaux du Club des 5 demain, grosse émission également sur le Maroc. Le Maroc, c'est l'inverse. C'est l'inverse de l'Algérie. C'est pas l'année parfaite, c'est l'année du doute, ou en tout cas l'année où les mauvaises habitudes reviennent. Donc voilà, ce sera demain soir avec Romain Bédouk, Sami Mojtabi également, spécialiste. Ça va repartir le du Maroc. Ah bon. Bien sûr, ça va repartir. Faudra dire ça à Samy demain pour le rassurer parce que. Oh, mais il sera. T'inquiète pas, c'est un mec qui est toujours. Je sais pas, il nous avait dit que la Mauritanie, ça ferait rien au Maroc. Il y a eu 0-0 du coup. On le salue, Samy, si on l'embrasse, il sera là demain. Et Farès est en train de balancer Samy dans mon oreillette. Je ne t'entends pas et je ne veux pas t'entendre parce que c'est pas beau de critiquer les absents. Il nous dit qu'il n'est pas du tout serein, voilà, Samy Mojtabi. Ah, d'accord, ça Samy, tease l'émission demain, vous voyez. Samy, il faut plus le mettre sur les paris du CD5 que sur les émissions du Club des 5. Ah, les paris, attention, il avait vu la France gagner la Coupe du Monde. Ah, il est bon. Et le Maroc aussi. C'est ça le problème. Hamza, Walid Bilal, l'émission touche à sa fin, comme l'année d'Algérie, on le rappelle, cette question du soir, allez-y, les socios, répondez, c'est très important. Est-ce la plus belle année d'Algérie? Bon, vous pouvez répondre également à cette question sur le chat, mais surtout répondez à celle-ci. Comment Belmadi peut-il renforcer l'Algérie? Voilà, 2019, c'était magnifique, c'est terminé. Cap sur 2020 et surtout sur 2021. Quels axes d'amélioration pour vous, pour les Fennecs? Donnez-nous vos avis en commentaire. On attend nombreuses vos réactions. Avant d'aller vous coucher, socios, c'est très, très, très important. Voilà, la team pouce bleu bien sûr. Les likes pour faire grandir le Club des 5, vous le savez, hein, plus vous likez, plus l'émission arrive sur des fils d'actualité, des personnes de YouTube. Bref, plus vous likez, mieux on se fait connaître. Je vais y arriver. Je voudrais également vous rappeler qu'il faut s'abonner à la chaîne le Club des 5, c'est très important. Puisque l'idée aussi de mettre des likes, c'est de pouvoir avoir plus d'abonnés. Donc tous ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à nous rejoindre le Club des 5 grands championnats européens tous les soirs en live pour décrypter. Donc les grands matchs internationaux également, les compétitions européennes et bien sûr les 5 grands championnats. Ça, c'est important et ça revient dès vendredi, la 600e du Club des 5 avec un PSG Lille. Avant ça, on sera là demain soir donc avec Romain Bédou pour parler du Maroc. Je vous ai remercié tous les trois. J'aimerais également remercier toute la team qui a préparé cette émission ce soir et bien sûr monsieur Farès Hachem à l'oreillette qui aime dire du mal des consultants du Club des 5 et ensuite, comme je l'entends à l'oreillette, je suis obligé de le répéter. J'aimerais remercier Abdelkissi et notre ami Victor Théron ce soir qui ont tous les deux assuré l'édition de cette émission. Un grand merci également à Vincent Fournier, bien sûr, à la technique. Il nous a fait 2-3 frayeurs, comme souvent, parce qu'il aime bien nous mettre des coups de pression. C'est un peu notre Jamel Belmadi à nous, surtout capillairement. On remercie Vincent Fournier. Encore un grand merci à tous les trois et un très très grand merci aux socios. Les amis, on vous retrouve donc demain, spécial Lyon de la classe, avec Romain Bédouk, Samy Mojtabi, Walid Acharchour et Dominique Baïf, puisqu'on parlera également du Brésil. D'ici là, passez une très bonne nuit, une très bonne soirée. Ciao. Et à demain. Ciao. Ciao, Thorin. Right.